Selon le représentant de la Maison des cinéastes, compte tenu de la place qu'occupe Chérif La Télévision dans l'espace audiovisuel du pays, sa présence parmi les lauréats n'est pas une surprise. D'où cette visite au promoteur afin de lui réitérer les messages de félicitations des organisateurs. Nous sommes là aujourd'hui chez le guide spirituel, le président du Haut Conseil du Mali, Madame Aïdara, pour lui présenter le trophée qui lui avait été décerné il y a de cela des jours. Dans sa toute dernière proclamation des résultats du concours dernier, a pensé à rendre hommage au guide spirituel à travers la télévision, sa télé, Chérif La TV. Pour tous les efforts et pour toujours, tous les jours, que cette chaîne de télévision fait, rend au peuple malien, rend à la nation malienne, à travers ses prestations en faveur de la paix, de la réconciliation et du bon vivre. Et donc, il se doit, il est de coutume de lui rendre cet honneur. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, de venir remettre en main propre, de la part de la Maison des cinéastes du Mali, de la part de M. Boubacar Sribé, cinéaste, président de la maison, et pour dire au shérif que la maison, tous les jours, pense à l'effort fourni et à tout le travail que la télévision Chérif La fait tous les jours que Dieu fait. Les représentants de la Maison des cinéastes du Mali se disent satisfaits de la rencontre avec le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans et non moins guide spirituel des Ansar. Nous ressortons revivés, ragaillardi. Nous ressortons avec un sentiment de soutien total. Bonjour et bienvenue du guide spirituel. Parce que des personnalités de son rang, quand ils approuvent une activité humaine, une activité culturelle, une activité au service du bonheur du peuple malien, eh bien on peut dire que nous n'avons pas agi pour rien. La Maison des cinéastes du Mali n'a pas agi pour rien, puisqu'elle est soutenue par les plus hautes autorités. Et là, ces mots nous touchent, ces mots nous réconfortent. Puisse Allah nous permettre d'aller, permettre à la Maison des cinéastes du Mali de partir de bon pied sur cette lancée. C'est un guide spirituel des Ansar tout heureux qui exprime sa reconnaissance aux responsables de la Maison des cinéastes. Le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans, guide spirituel des Ansar, à l'issue de la visite, a fait don d'une somme d'1 million de francs CFA aux visiteurs accompagnés des bénédictions.